Mais ça va parce que personne sait qui je suis. Imagine combien il y en a par terre. Eh, c'est Spider-Man qui range vos courses, madame. Bah, bah bonne journée. Hein. Un démon. Souvent des pare-chocs. Bah, tous les jours. Moi aussi, hein. Eh, les probas, ils le laissent. Il a un chaud. Arrête. Mais là, je suis pas du tout Spider-Man. Oh. Et là, maintenant, on s'abonne. Oh, mais quand Spider-Man, les gars, ils sont plus mouillés, c'est terminé. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en détente. Est-ce que mon petit ref t'es confortablement installé? Parce que là gros il est 8h du matin. Carrément j'ai la pêche, Je sais pas vous mais moi quand je me réveille tôt, les 10 premières minutes c'est une souffrance absolue. Mais après je me sens heureux toute la journée. Je sais pas si vous aussi mais je pense que je dois être le seul en France hein, clairement. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale les gars. Le concept d'aujourd'hui c'est quoi mon ref? Vous savez les gars en ce moment je live en Spider-Man. Bon plus maintenant parce que l'effet est fini. Mais j'ai commencé à bien aimer ce costume. Tu vois je me suis dit, je me sens un peu comme un super-héros. Spider-Man, carrément le meilleur super-héros, un des meilleurs. Je sais pas, c'est qui vous votre héros préféré. Bref, moi bon, en tout cas Spider-Man faisait partie du top, forcément top 3. Du coup, j'ai commencé à bien aimer le style de Spider-Man et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Spider-Man, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il aide les gens, vient en aide aux gens, etc. Aujourd'hui, je vais faire la même. Aujourd'hui, je vais me déguiser en Spider-Man pour aller aider les gens dans la rue. Bon, je vous avoue que j'ai un peu peur. Voilà, on va tester, hein. On n'a jamais testé, donc voilà, je suis là pour m'amuser aussi, t'as capté. Donc en vrai, ce qu'on va faire par exemple, c'est, je sais pas, il y a un garagiste, bah je vais rentrer au garage, je vais lui demander s'il a besoin d'aide, je sais pas, je vais rentrer dans une boutique, je vais demander s'ils ont besoin d'aide, je sais pas, si je vois une grand-mère qui est là, qui galère à prendre ses courses, je vais l'aider. Si jamais il y a un abonné sur Instagram qui veut que je promène son chien, je vais aller promener son chien. Si y en a qui veut que je tonde sa pelouse, je vais aller tondre sa pelouse. Bref, petit concept à côté de chez moi parce que bon, j'avais pas forcément le temps de faire quelque chose de balèze. Mais si jamais vous voulez un épisode 2 où par contre pour le coup j'organise bien chaque activité, je viens par exemple une journée où je fais des déménagements, j'aide des gens, etc. dans toute la France et je viens vous aider, vous me dites, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, 200 000 pouces bleus et je viens direct, on est carrément ok. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche les gars, ça fait très très plaisir. On se rapproche des 4 millions d'abonnés donc je vous remercie du fond du cœur, on est carrément ensemble. Du coup, voilà voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Voilà, je pense que je vais me saper sans plus tarder en Spider-Man. Et j'ai acheté un truc qui va avec le déguisement, on va le déballer là maintenant. Bon, bah les petits refs, je suis déguisé, c'est bon. Bon, j'ai mis la North Face, parce que vas-y, il faut dehors, je vais avoir trop froid. Si Spider-Man n'a pas chaud, il ne peut pas sauver les gens. Par contre, j'ai reçu quelque chose, les gars. J'ai envie de voir ce qu'il y a, il y a un truc, ça va vous rappeler des souvenirs tard à l'époque quand vous étiez enfant. Vous allez voir, c'est carrément incroyable. J'ai quand même acheté ça, les gars. Le lance-toile de Spider-Man. Mais dans la rue, j'ai trop envie de voir si ça marche. Bon attends, je vais l'ouvrir, on va le tester. Bon les gars, c'est clairement l'unboxing. Mec, elle est incroyable la bonbonne. Alors là, ça les gars, je crois que c'est le lanceur. Faut que je l'attache à ma main. Donc faut que je l'attache là, je crois. Ah mais j'avais oublié, c'est un truc de 15 ans. Un truc de 8 ans gros. Ça va jamais passer. Ça, c'est pour mettre de l'eau les gars. Ça c'est pour mettre de l'eau et tirer de l'eau. Ça c'est stylé. Et moi je veux la bonbonne, Là je veux tirer des toiles moi. Attends. Ok les gars, c'est bon, je suis équipé, j'ai ma bonbonne. Donc là, faut faire comme ça. Je tire sur vous. Attends. Là j'ai la bonbonne de... Mec, c'est mon rêve là. Là je suis comme un enfant là. Oh la putain. Bon les gars, je pense que je vais plus m'amuser dans cette vidéo à envoyer des jets sur les gens que aider les gens, hein. Je vous le dis, comme ça c'est clair. Bon, les petits refs, on va y aller. Hier j'ai capté un truc pour peut-être aller dans une boutique bio et peut-être donner un coup de main. Donc je vais y aller maintenant pour peut-être, je sais pas, décharger les livraisons, j'en sais rien du tout. C'est parti, let's go. Mais je t'ai arrivé quoi là? Ah, sérieux. Mec. Gros. Les gens ils me regardent trop chelou là. Je viens de sortir hein, du parking, tout le monde me regarde. Ouh la maman. Voilà mon grand, Spider-Man se faire connaître dans la rue. Ça va ou quoi? Tranquille. Au calme. Bien, ça va bien. Vas-y hein. Mec, cette journée je la sens, tu sais quoi? Moi je me suis levé ce matin, je me suis dit, putain qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Et en vrai de vrai, une fois que j'ai ma caméra, je suis à l'aise tu vois. Je suis en impro total. Donc là c'est carrément de total impro. Il y a des petits trucs organisés quand même, et un petit peu quoi. Donc là les gars, on arrive dans 10 minutes et c'est carré. Carrément dans le truc. Les gars, ma petite 200 000, carrément qui m'accompagne partout. Mec, épisode 2, je suis chaud, on fait un matin en éboueur en Spider-Man. Vas-y. La vidéo. Mec, c'est ultra rare de voir un Spider-Man dans Paris, non? Eh, je crois qu'il y a tout le monde qui me regarde, non? Ouais, je suis pas à l'aise, les gars, je suis pas du tout. Bonhomme rouge, on attend. Mec, je respecte les lois. Hein. Pas parce que je suis Spider-Man que. Je te jure, en vrai de vrai, les gars, pas à l'aise, y'a tout le monde qui me regarde. Mais ça va parce que personne sait qui je suis. Vas-y là, c'est quand il passe au vert? Ah voilà. C'est vrai que Spider-Man il monte sur les murs. Ah, c'est bien. T'allais bien? T'aimais bien mon costume? Oui, bien sûr. Merci. Il est confortable. Merci, monsieur. Et on leur demande s'ils ont besoin d'aide. Vas-y. Vas-y. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Ah,
Je peux vous aider à porter. Vous avez pas besoin d'aide? Pas de soucis. Mec, je propose moi, tu vois, je suis un mec gentil. Ah ouais, il est très très bien fait quand même. Hein. Les gars, les abonnés, il est quand même incroyable. Bonjour. Bonjour. Il mange bio, Spider-Man. Attends, il nettoie les déchets. Est-ce qu'on a un sac pour Spider-Man? Moi, je veux bien un sac. Je vous aide à ramasser un petit peu. Les gars, l'association, c'est quoi l'association? C'est l'heure civique du 17ème. J'ai enlevé mon masque parce que ça va être galère. Vas-y, bon, on ramasse les mégots, les gars. C'est important, jetez pas vos mégots dans la rue. Faire attention, vous avez ramassé tout ça en combien de temps? En une heure. 40 minutes. Vas-y, bah, je fais un petit tour. Là, je nettoie toute la rue. Là, elle est déjà nettoyée. Il y a tout à par là. Ouais, faut plus ça. Faut que j'aille par là. Ouais. Quand c'est pas bon ça. Ah, mais j'ai pas de gants. Bon, c'est pas grave, j'ai les gants de Spider-Man. Lui, ça fait le taf. Voilà, tu vois les mégots là? Imagine là, j'en ramasse un en une seconde. Imagine combien il y en a par terre. Là, les gars, si le Clean Walk vous a plu, je pourrais en refaire un en vrai de vrai. Je pense que vous avez bien aimé le Clean Walk. Dites-moi si vous en voulez un. Ça c'est une bonne action mon grand, ça c'est une bonne action. Merci beaucoup. Salut. Passez une bonne journée. Et voilà. Bon week-end. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est moi qui suis en retard. Bonjour, c'est vous? Salut, je suis désolé d'être en retard. Je ramassais les déchets. C'est magnifique. Hey, j'ai un flotard à Lewandowski. C'est magnifique. Non, franchement, là, je kiffe. Faut que tu enlèves la doudoune. Ouais, je vais enlever la doudoune dans la... quand vas-y, il va faire. Bon, bah, les gars, ici, il y a tous les fruits. C'est quoi ici en fait? C'est un petit marché. Ponce les Bio Paris. Voilà. La seule, la plus belle boutique de Paris en bio. Voilà, c'est pas un placement de produit, mais ça fait plaisir. Tu vas me donner des trucs à faire là. Tu vas ranger les petits paquets de la dame dans son sac. Vas-y, tiens, vas-y. Voilà, tu prends un petit sac comme ça, Spider-Man, mais enlève ta doudoune. Vas-y, j'enlève ma doudoune. Carrément, j'enlève tout. Attends, bah oui. Là, je suis Spider-Man de A en bas. Dans la doudoune, je suis beaucoup plus beau comme ça. Et tu vas bouger. Regarde. Voilà mon grand. Tu sais que je peux même tirer des toiles, hein. Je peux même tirer des toiles, ouais. Alors, du coup, il faut que je fasse quoi? Tu peux ranger les petits paquets de la dame, tu mets le fragile au fond, carottes. Faut pas que je... Tu vois, ça, c'est. Mes mains, elles sont pas très moches, donc je touche pas les légumes, ok? Parfait. Voilà, je fais attention. Je vais pas toucher les légumes. Fais bien attention. Hey, c'est Spider-Man qui range vos courses, madame. Voilà. Elle a pas fini. Ah, c'est pas fini? Non, attends. Ah, si, j'ai fini. Bah, ça commence bien. Vous avez un caddie, tu vas le mettre dans le caddie de la dame alors. D'accord, ok. Ça, Spider-Man, je vais mettre dans un caddie. Voilà, je vais essayer de bien le mettre. Ah non, je veux pas du sac. Ah, sans les trucs. Ah non, bah non. Ah ouais, là c'est compliqué, je vois plus rien. Ok, c'est bon. Ah oui, parce que ça rentre pas alors. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la coriandre. Ça, c'est bon la coriandre? Oui, c'est bon. Moi j'aime pas trop. Ah oui, c'était pas fou. Vous allez essayer une soupe? Non. Non? Un potage, ça c'est des courgettes. Ah non, c'est des carottes. C'est des carottes, désolé madame. Ouais. Ça c'est tout, merci. On va passer une bonne journée. Merci. Bon appétit. Carrément ensemble. En vrai, c'est stylé hein, d'être en Spider-Man. Ça le fait si je te fais faire un peu de ménage, non, ça se fait pas. Vas-y, ça le fait. Bien sûr, regarde, il faut balayer là-bas. Moi je vous aide, moi. Tu donnes un balai, tu peux balayer. Vas-y, je suis chaud. Par contre, elle est où ma veste? J'ai trop froid là. Je me les caille, il fait moins 10. Go, ah oui, c'est trop stylé. Vas-y, c'est quoi comme légumes là? C'est trop bien. Attends, parce que je vois pas trop. Donc ça, c'est quoi comme légumes? Une asperge. Mais gros, c'est marqué. Marqué. Où ça? Marqué là. Un betterave. Ah ok. C'est quoi la vidéo? J'arrive pas à voir. J'ai pris la pelle rouge pour aller avec ton costume. Ok. Ah ouais, non, je suis corda. Et y'a mon manteau ou pas? Tiens, ouais, je vais te donner. Vas-y, merci manteau. Chef. Tiens, prends le balai. Ah, mais gros, tu vas faire le ménage. Tu fermes le ménage. Tiens, regarde, y'a plein de bazar. Ah là, y'a du bazar. Hey. Regarde, mais il voit rien. Il voit rien. Là. En fait, je respire, du coup, y'a de la buée dans le masque. Je croyais que Spider-Man, il avait une bête de vue, il était voyé à travers les murs. Bon, bah là, je me prends tous les murs de la ville. Donc. Pour rien du tout. Ok, là, je vois que je ramasse des trucs quand même. Je vais tout mettre là. T'as aucune dex, mec. J'ai zéro dex. T'as zéro flow. Mais si, gros. Là, tu ramasses rien, là, tu ramasses du vent. Là. Ah ouais? Je mange bio dans les commentaires. Moi je mange pas trop bio. La maman, Spider-Man il est sain normalement. Il mange bio. Spider-Man il mange juste sain. Il mange des insectes. Ouais, il mange sain. Il mange sain mais il mange pas sain. Ok, vas-y, c'est carré. Il est en train de se foutre de ma gueule. Je te jure que non. Carrément carré. Parmi nous aujourd'hui. Vous allez bien? Oui. Ça va? Bah, tranquille. Dans la doudoune, ils te reconnaissent pas les gens. Bah oui, mais regardez, je suis bien. Bah, là, je suis carrément dans le truc. Il y a même l'homme araignée derrière. Mais il fait trop froid. Il y a les chambres froides et tout. Non, la chambre froide, tu veux que je te montre la chambre ouais. froide? Ouais. On peut voir. Montre-toi. Oh, trop bien. Donc là, on va dans la chambre froide. Oh, je vais aller dedans. C'est chambre froide. Là, t'es dans la chambre froide et t'as tous les produits.
pour aujourd'hui, demain et quelques trucs pour le week-end déjà. Ah ouais. Tu vois, t'as les fraises. Mais c'est pas si froid. Les fraises pour aujourd'hui. Ça c'est pour aujourd'hui. Ça c'est pour aujourd'hui. Ouais, ils sont stylés hein. Ça donne trop envie de manger. Les petites framboises, bah je t'en aurais bien offert une, mais comment tu vas faire? Mathieu, il la prend dans la voiture. Non mais je vais t'offrir une barquette. Non mais t'inquiète. Parce que au mieux de m'offrir une barquette, tu vois, moi faut que j'aide des gens. Est-ce que tu peux m'offrir un petit sac avec des légumes et tout, puis se donner un SDF? Pas de problème. Vas-y, bah on va faire ça, c'est mieux en vrai. Pas de problème. Parce que moi j'ai on fera ça dans le magasin. Vas-y, on fera ça. Ça roule. En été, le fruit il reste au frais. C'est mort. S'il reste pas au frais, c'est mort. En un jour il est mort. S'il prend le soleil, ouais. Ah ouais, c'est la mort. Les fraises, les légumes, tout ça, c'est. Ça doit être dur l'entretien alors. Bah c'est pour ça que il faut bien gérer les stocks pour en avoir de trop pour pas que ça s'abîme. Etc. Et en plus, nous on est dans le bio, ouais. Donc ça complique les choses. Ah, le bio, il ouais. n'y a pas de traitement. Donc les fruits, ils évoluent et les légumes, ils évoluent plus vite. Donc ils se conservent moins longtemps. C'est ah ouais, c'est complexe. Plus attention. Tu veux faire quoi? Voilà, je t'ai préparé un petit sac. Voilà, vas-y. Bon, voilà. Les gars, on a un petit sac de fruits et légumes. Comme ça, on croise quelqu'un qu'on a besoin dans la rue, on lui ramène. C'est carré. Merci. Bravo, Spiderman. Voilà. Oh, top. Spiderman, on est carrément dans le truc. Voilà. Bonne journée. Hein. Merci. Merci vous. Vous faites quoi? Café chaud. Ah ouais. Si vous voulez, j'ai quelque chose pour vous. C'est vrai? Ouais. J'arrive. J'ai travaillé dans un marché là tout à l'heure et ils m'ont donné des légumes et tout. Donc si moi, vous voulez, voulez. Un avocat, s'il te plaît. Allez, apprenez-le. Allez, merci beaucoup. Vous voulez, si vous voulez tout, je vous donne tout. Non, c'est bon. Je mange là-bas moi déjà. Tu ok, vois. Pas de soucis. L'avocat là, putain, il a bien joué. Bah, merci, bonne journée. Hein. Ouais. Mais t'inquiète, y a pas de soucis. Bonne journée. Hein. Mec, on est carrément Spider-Man. On est carrément venu en aide de gens. T'aides les gens. Mec, c'est trop bien. Je te jure, c'est trop bien. C'est incroyable. Les gars, je vous jure, j'ai envie de le faire dans toute la France maintenant. C'est bon. Bon, les gars, le topo maintenant, c'est on retourne à la voiture. Faudra que je donne tout le reste des légumes à quelqu'un dans la rue. On va aller dans un garage mécano. Qu'on va aller voir un mec. On va l'aider dans ce qu'il fait. Et c'est parti. Let's go, rendez-vous à la voiture. Bon les gars, on est arrivé devant le garage, il y a le poteau qui nous arrive. Les gars. Mec, c'est... Eh, hey, pas de soucis, c'est Spider-Man qui est là. Bonjour. Mec, c'est trop stylé. Tout ça, tu les répares. Ouais, celle-là va passer en peinture. Celle-là, elle va peindre. Ouais, celle-là va passer là maintenant en peinture. Et je vais te rentrer un camion, et comme ça, et bah, tu vas donner un petit coup de main à José à redresser de la carrosserie. Vas-y, c'est quoi redresser la carrosserie? Bah tu vois, quand il y a une bosse, ouais. Et bah avec un appareil, bam bam bam, et tu vas tout bien remettre bien droit. Oh, c'est stylé ça. Ok. Vas-y, sous ça, je pense qu'il y a une voiture de fou. Attention, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière la voiture? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh, attends, mais elle est incroyable. Oh là là. Oh, mais attends, mais elle est incroyable. Je connais Camaro. La vision que je connais pas. Et Transformers, c'est la voiture Transformers. C'est ça? C'est ça? Mec, elle est incroyable. Vas-y, quand elle brille. Oh là. Elle brille toute. Oh l'arrière. Oh l'arrière. Oh là 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 là. Mec, regarde là comment c'est stylé. Eh, c'est trop d'art. Hein. Elle est incroyable. Mec, c'est incroyable. Oh, elle est trop d'art. C'est juste que c'est méga lourd comme caisse. Oh là là. Ouais, c'est énorme. Ça, c'est le moteur, ça. Eh, c'est, ouais, c'est quoi le disque? C'est un filtre à air. C'est un filtre à air. Là, il y a plein de pistons. Et en mode, ça fait boum, 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 boum. C'est pas vrai, ça. Mais, si, c'est vrai, mais. Jure la vie de ta mère. 28 Chevrolet. Mais ça fait mieux avec le capot ouvert. Non. Oh, Spider-Man! Tu vas me donner un coup de main. Vas-y, c'est bon, on est là. On va démonter un pare-choc d'un camion. Jure, vas-y, je suis chaud. Allez. Eh, j'ai jamais fait, vas-y, go, go, go. Allez, on va démonter un camion, les gars. Et après, tu vas réparer un camion. Réparer quoi? Ça. Ça, on va le réparer. Bah, les gars, ça, on va devoir le réparer après. C'est stylé, hein. Genre, là, on va réparer ça. Je dirais que c'est irréparable, ça. Ok, vas-y, je suis au taquet. Ok. Vas-y. Alors, du coup, je regarde, je vais le faire avec ma voiture. Ouais, c'est pas bon. Toi, c'est en plus petit. Ok, plus réduit, ouais, moi, c'est ta voiture. Wesh. On va pouvoir changer le radiateur. T'en démontes souvent des pare-chocs? Ouais, tous les jours. Moi aussi, hein. Alors, tiens, j'ai déjà te donné un outil. Okay. Bah, qui s'appelle un tournevis. Ok. À quoi ça ressemble? Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, hein. J'avoue. Alors, je fais quoi avec? Bah, tu regardes, tu vas me démonter toutes ces vis-là. Tout ça, j'ai des vis. Là, les quatre. Vas-y. C'est de quel sens? Le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'un sens inverse? Ouais, okay. Si tu as une montre à quartz, ah, c'est bon. Ça va pas le faire. Ok, ça c'est fait. Oh, t'as déjà vu Spider-Man enlever une carrosserie? Jamais, mon grand. On aura tout vu en 2021. On aura tout vu. Bébé. Ici, on enlève cela, regarde. Allez, champion, voilà mon grand. Non, mais par contre, ce que tu peux faire, comme vas-y. Toi, t'es Spider-Man, dis-moi. Tu vois ça là, regarde. Ouais. Tu la lèves ici parce que tu vois, t'as les tétons là. Ok, les quoi? Les tétons. Entre les poils et les tétons. Quand on te dit que ça s'appelle les tétons. Quand on te dit qu'une voiture c'est comme une femme, ça se prête pas. Ok, ok. Il y a des poils, il y a des tétons. Ok, vas-y, c'est bon, fais comme ça. Tu lèves là, comme ça, et après tu la prends d'ici et tu tires. Et là j'enlève le pare-choc. Et tout ça là, ça va venir. C'est aussi simple que ça d'enlever un pare-choc. C'est pas complexe. Ça dépend desquels. Donc là je fais quoi? Hop. Voilà. Attends. Attends. Oh ouais, il y a un câble. C'est normal ça? Ouais, ouais, c'est l'ouverture du capot ça. Ça c'est la calandre. Ça c'est la calandre. C'est la calandre. C'est pour l'air quoi. Pour éviter que les cailloux ils aillent sur les radiateurs. Mec, c'est trop stylé. Ok, mais tiens, tu poses là. Pose là, là à côté. Et là tu reprends le tournevis que tu avais tout à l'heure. Ouais, il est là. Voilà. Et là maintenant tu enlèves. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, vas-y, je fais ça. Allez.
Ok les gars, j'enlève le pare-choc. Là ça marche? Bah non, là ça marche pas, là ça fait pas grand chose là. Bah c'est ce que je me dis. Ah, je crois que c'est bon. Il a rien, il a réussi. La même chose d'autre. Voilà. Oh là là, on a enlevé un pare-choc. Là on a enlevé un pare-choc. Oui. Oh oui bébé. Oh oui bébé. Oh oui. Ah ouais, donc ici il y a tous les radiateurs de toute la voiture. Ouais. Et celui-là, il s'est pris un trottoir pour qu'il tombe. Ouais comme ouais, ça. Il a tapé une porte. Maintenant si tu veux faire une bonne mission avec José, vas-y. Tu vas te montrer. Bonjour José. Tu vas lui donner un coup de main à redresser la porte. Je vais redresser la porte de ça là. Du camion. Voilà. Ok, donc là, pour commencer, on va enlever la baguette noire, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ok, on va enlever le noir. Mais attends, mais. Tu te rends compte que là on va la rendre comme avant. Carrément la classe mon grand. Attends, gagné. Je regarde bien avec mes yeux. Ah ouais, c'est vraiment niqué hein. Spider-Man on the beat. Et en vrai tu vois, c'est stylé de réparer des voitures. Dis, tu la prends, elle est toute cabossée et tu la rends au propriétaire en mode neuf. Ah, les gars, on va enlever la peinture avant de pouvoir réparer. Tu veux essayer un peu? Tu peux essayer? Ouais, vas-y. Là, par contre, tu vois, là. Ça ponce? En fin de compte, ouais, ça meule. En fin de compte, c'est pour que la voiture, la peinture, la toile, elle soit à nu. Ok. Vas-y, j'essaye. Vas-y, je t'en prie. Mais attends, c'est incroyable. Dis. À côté, comme non, ça. Tu mets deux. Voilà, comme ça, un petit peu comme ça. Et tu fais ça. Ok. Ah, c'est stylé, ouais. Sans le cramer, c'est normal? C'est normal. Eh, je peux écrire Inox dessus? Eh, hey, Proba il le laisse. Proba il le laisse. Imagine, il rend au propriétaire, il y a ça. Je dessine un pouce bleu. Voilà, c'est un pouce bleu. Il enlève la peinture. J'ai fait une bite sur sa carrosserie. Mec, le Bentley, regarde-moi ça. Mec, le Bentley, c'est une bombe atomique. Hein. Ça, c'est une voiture de moulin. Voilà, t'as la télé. Attends, y a une télé. Y a la télé à l'arrière, monte dedans si tu veux. Vas-y, monte dedans. Vas-y, je monte. Vas-y, tu peux monte. T'as la Bentley. Ouais. Oh les gars, c'est un truc de fou, mais frère. Ouais, c'est un truc de fou, gros. Oui. Gros, c'est incroyable, regarde le volant, le logo là. Ah, la truc à même vitesse. Derrière, gros, il y a des iPads télé, je sais pas quoi. Ouais, il y a des iPads là, les gars. Et en fait, il est rentré dans une voiture là. J'en sais rien. Il est rentré, il est rentré quelque chose. Donc, on a démonté ta garniture ici, tes chromes là. Celui-là, on l'a laissé. Et on a foncé ici pour rattraper la forme. Ouais, là, du coup, les gars, ils ont tout refait ici. Ben Tiger. Eh, les gars, c'est une vraie voiture de moumou ça. Bon, les gars, on va réparer l'impact. On va utiliser le pistolet. Ça s'appelle comment? Tire-clou. Ça s'appelle un tire-clou. Un tire-clou, on va utiliser. Mec, j'ai hâte de voir comment c'est. Je sais pas ce que ça va faire, j'ai envie de voir, les gars. Je suis trop curieux. Là t'as tiré là? Wesh. Et là ça fait quelque chose. Ah ouais. Ah ouais. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Tu vois bien que ça fait penser à quelque chose. Là ça peut démarrer là. C'est comme une batterie mais c'est une batterie portable. La faire démarrer. Alors si tu inverses, t'as plus de voiture, c'est ça? Bon jus. C'est mort. Les gars, faut pas inverser les deux pins. Ouah, ça a démarré d'un coup. Attends, c'est un avion ou une voiture? Mec, c'est incroyable bébé. Ouais, 500 000 pouces bleus, j'achète, la même. Mais il y aura jamais 500 000 pouces bleus, t'as un 450, je l'achète. Mais c'est. Ah, il y a que le bloc 450, je l'achète. Je tenais bien. Elle est incroyable, gros, mais attends. Mais attends, c'est ça. Eh ben, elle a eu un accident de fou là. Combien? Elle a 6 000 km. 6 000 km. En fait, elle a eu un accident tellement gros que c'est fini. Donc, les gars, si dans votre voiture vous cassez ça, elle ne marchera plus jamais. Comme quoi, les gars, ne conduisez jamais bourré au volant parce que vous mettez non seulement votre vie en danger, mais surtout celle des autres. Faut faire attention aux autres, pas casser. Spider-Man va vous aider à démonter les roues, monsieur. Et voilà, la voiture. On va démonter les roues de ça pour changer les plaquettes. Bon, Spider-Man a de la force quand même, hein. Ne prenez pas pour un con. Et ça marche là? Ah, mais attends, tire, vas-y, normalement, tu dois l'avoir là. Wow. Bon, je suis déguisé en Spider-Man, mais j'ai pas ça. Wow. Ah, oh, c'est incroyable! Eh là, je mets tout là, tout dans la gâchette. Wow. Oh, mais c'est incroyable, mec! Vas-y. Eh, évidemment, faut que t'essayes. C'est incroyable. C'est trop bien! Wow! Ah ouais, moi j'ai pris plus de temps pour l'enlever. Moi je l'ai enlevé avec le triangle là. Ça, les gars, c'est la plaquette de frein. La tourner comme ça, ça abîme pas? Non. Les gars, là, on va changer la plaquette de frein. C'est-à-dire que là, elle est usée, on va la changer. Donc là, il va nous montrer comment changer une plaquette. Une plaquette neuve avant. Il va nous montrer une neuve et on va voir celle-là la différence. Comparé, tu vois, ici t'as ton piston et là, ouais, ici t'as ta plaquette. Voilà la différence de garniture. Parce que là, t'arrives au métal. Tout ça, tu l'uses. Tout ça là. Ouais. C'est quoi? C'est du plastique? Non, c'est. Je sais pas quoi te dire. Alors là. C'est du carbone, non? C'est quoi? Non, les plaquettes en carbone, c'est un autre niveau là. Et donc, ça, c'est de la plaquette. C'est la plaquette. C'est shit quoi.
Quoi? J'ai ma vieille plaquette. Elle a pas beaucoup, là, c'est mieux de la changer. Hein. Mais c'est mieux de la changer. Vu comment elle est. Ah ouais. Avant de partir, on va faire un dernier truc, on va faire de la peinture. Donc là, c'est quoi que je dois faire? Tu vas mettre de la presse sur la voiture. Ok. La presse, c'est le masque qu'on met avant de peindre. Avant de peindre, là, je vais mettre avant de peindre. C'est quoi la couleur? Là, ça va être du gris. Ça va être gris. Y'a rien là. Ah si. C'est pas mal là. C'est bien. Là, franchement, j'irai. Hein. En fait, c'est un stage chez le carrossier là. Bah samedi tu verras la vidéo. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accepté. Et j'espère qu'on t'a quand même un peu aidé. Le but du jeu c'est de participer. C'est pas les balles, tu vas les changer. Ouais. Vas-y. Bon bah les gars, on a fini chez le carrossier, maintenant on va tondre la pelouse. Donc là on est carrément en Spider-Man. Ah oui bébé. Là ça tire des trucs hein. Ok les gars, donc là on arrive chez un abonné, je vais lui tondre sa pelouse. Donc c'est carrément carré. Oh, j'ai trop le seum. Ça a pas marché. Oh, c'est de la merde. Hey, Spider-Man. Mais arrête. Hey, Spider-Man. Hey, Spider-Man. Hey, Spider-Man. Mais gros, tu casses les couilles. Oui, Dédé. Gros. Eh hey gros, c'est trop bien. Rencontre abonné gros. On va à domicile. Oh, je viens ou quoi? Ça va quoi? Ça va tranquille. C'est Théo, c'est ça? Ouais, ça va. Ça va? Ça va quoi? Aujourd'hui, je vais t'aider à tondre la pousse, c'est ça? Ok, ça va. Mais j'ai carrément un truc. T'as quel âge Théo? Ouais, j'ai 17. Ouais, t'as 17 ans? Ouais. Et tu me suis depuis longtemps? Ouais, bien sûr. Mec, ça fait plaisir hein. Mec, t'es carrément dans le truc. Déjà, là, tu dois être choqué, je suis en Spider-Man, non? Déjà, je comprends pas. Tu fais des. Oh, regarde le chat gros. Il s'appelle Apple, parce qu'on est fan d'Apple. Apple, Apple. Ouais, mais... okay. Bon, on va tondre la pelouse. Mec gros, tu sais que j'ai jamais tondu une pelouse de ma vie les gars. Je n'ai jamais tondu de pelouse de ma vie. Bonner, vas-y. M'explique un peu. Ah la bête. Déjà tu vois la bête. Elle est magnifique. Des années 90. Ça c'est combien de V? Combien de V ça? C'est V2. Il y a beaucoup trop là. Alors vas-y t'achat de là-bas. Il y a un problème. Oh merde. Attends. Les mises. Allez-y. Encore, vas-y. Encore, allez. Allez. Attends, la vie de ta mère, c'est trop dur. Attends. Vraiment un gros coup. Allez, encore, t'es presque. Vraiment plus loin. Un bouton à appuyer. Allez, je pense ou quoi? Mais là, je suis pas du tout Spider-Man. Oh, oh. Ah, ah ouais. Ouais, elle a 15 piges. Elle a quel âge? 15 piges. Elle a quel âge? 100 ans. Elle a 100 ans? En gros, ouais, 100 ans. Mais t'as un mytho. Genre, ça, c'est ta tortue, elle a 100 ans. Elle était ma arrière-grand-mère. Mais la boule. En fait, elle a fait toute ma famille. Elle a 100 ans, le tout petit truc comme ça, il a 100 ans. Et ça le bombarde en petit. Et elle peut marcher? Ouais, mais en fait, ça, c'est son enclos. Ouais, et tu la laisses dormir là toute la nuit. Là, il y a les travaux. Enfin, on a fait une extension. Et du coup, on est obligé de mettre un enclos parce que, tu sais, elle peut fuir, tu vois. Ouais. Et vu qu'on n'est pas là, 24. Normalement, tu la laisses partout. Ouais, c'est vraiment, elle te tape des 500 mètres, mais comme insane. C'est trop dard, wesh. Ouais. Et là, elle va sortir sa tronche ou pas? Bah là, elle est un peu timide. Regarde, tu vois un peu sa tête au fond. Sa tête, ouais. On la voit? Là, sur la cam, on la voit pas, mais... Bon, bah voilà, bah, ça m'a fait cool, plaisir hein. De passer, en vrai. Ouais, c'est cool, ouais, non. Franchement, merci à toi. Et juste, il y a un truc. J'aurais bien fait un petit défi. Vas-y, t'as un défi? Tu veux que je fasse un défi? Un V en ping-pong. Un V en ping-pong, tu qui perds? Il prend un piment, mange un piment. Oh là là là. C'est bon ou pas? Vas-y, tu sais quoi, j'aime bien les piments. Vraiment, un piment. Un piment. Parlez. Ok. Putain, oh, le piment, il va manger le piment. Il tue le piment. Non, t'inquiète, un peu, il va être trop rouge. Si tu vas aux toilettes, c'est normal. Hein. Attends, c'est pas que toi qui aille aux toilettes. Eh, 5-5. C'est chaud là. Allez, balle de match. Ouais, non.
Let's go mon grand. Voilà. Voilà le piment. Eh, je veux le voir manger. Un en 3, tu le manges avec moi. Ouais. Sinon j'en prends 2. Sinon il en prend 2, sinon il en prend 2. T'en prends 2 sinon? Ouais. En 3? Ouais. Il y a 2-1 là. Il y a 3-1. Il y a 2-1 pour lui. 2-1, il y a 2-1. Tu sais faire ça depuis quand tu jouais au ping-pong? J'ai trop de seum! T'as joué? Eh, j'ai joué, je te jure, bien joué. Allez, ramène les piments. Ok, non. 3, 2, 1. Oh mon dieu! Vas-y, allez, sur la langue. Oui. Tu peux avaler. Oh, comment il arrache le piment! Ouais, c'est pas des lol. Ouais, c'est pas des lol. Hey, ouais, il est affreux ton piment. Tu l'as eu. Oh la gorge. Oh, c'est horrible, il est horrible. Hey, il pique fort. Hein. Tu l'as acheté où c'est... Je sais pas, c'est où. Tu l'as acheté où? Deuxième mondial. C'est bon pour toi? Ah bah, je le sens là. Bon bah, merci, hein, ça m'a fait plaisir. Bon, hein, t'inquiète. Chez toi. Ah, c'est toi, un grand. Merci à vous, les abonnés. Si vous voulez que je passe chez vous aussi, vous me dites et je referai peut-être des vidéos comme ça et tout. Ça fait plaisir. Voilà quoi, bonne journée tout le monde. Merci de l'accueil. Waouh! Il est trop beau. Hey, il est incroyable ce moyen. Garde-toi mieux Spider-Man. La vie d'homme que je me... c'est bon. Spider-Man, il sait pas se garer. Aujourd'hui j'aide les gens et tout. Ouais. Du coup bah je viens de donner un coup de main avec ton chien pour... Bah, quand je passe un moment avec les gens. Mais il est trop beau ton chien. C'est un Yuski. Ouais, c'est un Yuski. Et qu'il est trop beau, on est d'accord. Mec, il est trop beau. Il est jeune en vrai. Un an. Ouais. Un an, 15 mois. Bon du coup on va nettoyer son chien. Il s'appelle comment déjà? C'est quoi le nom de ton chien? Reiko. On dirait Yuki mais en énorme, tu connais Yuki? Ouais. On dirait Yuki en énorme. Mais c'est grâce à... Ah mais oui, tu m'as dit. C'est grâce à Yuki qu'on l'a eu. Là ça les gars, c'est le même élevage que le chien de Yuki. Donc Michou, t'as contribué à que le monsieur il achète un Yuki. Un chien. Hyper sympa. Quand on l'a pris, on savait qu'il allait pas être très grand. Il a la taille à peu près d'une femelle. Ok, et il perd ses poils? Ouais. Quand il y a la mue, ouais. Ouais, c'est embêtant. Je pense que là, quand on va le laver... Là, il va y en avoir plein. Ouais, ça va tomber. Hein. J'ai hâte de voir quand on va le laver. Ouais. Pour nettoyer mon chien. C'est trop bien. Je fais quoi? Je te laisse faire. Vas-y, je le mets tout. Dedans. Fais tout. Je le mets dedans. Bah, tu fais tout. Vas-y. Ferme juste la porte. Vas-y, viens le ref. De l'eau. Bah, toi, tu... Normalement, s'il connaît, il va monter tout seul. Reiko. Monte. Reiko. On va voir s'il m'écoute. Monte. Allez, Reiko. Oh le BG. Reste dedans. Attends, j'ai le truc. C'est quoi les bails là? Attends, je fais comment? J'ai jamais nettoyé un chien. Bah, ouvre l'eau, regarde la température. Oh le pauvre, ça se voit, il aime là, pas. Reste là. Il aime pas? Non, mais t'inquiète, fais. Il fait pareil, toi aussi? Ouais. Allez, le fleuron, on fait une petite douche. T'inquiète, ça va aller. En vrai, ça va là. Maintenant, il a plus peur. Bah, maintenant qu'il est dedans. Maintenant, il est dedans, c'est fini. Mec, il va être tout propre, hein. Il va sentir tout bon. Ouais. Du coup, il a pas l'air d'être bien aimé. Hein. Allez, le frérot. Je suis désolé, je sais que t'aimes pas ça, mais c'est comme ça. Mec, là, il va être tout propre. Hein. Ouais. Avoue, après, il va jouer et tout. Il va être trop content, après, non? Après, il va être excité, je pense. Surexcité. Il va sentir trop bon. Et là, maintenant, on s'abonne. Oh, mais quand Spider-Man, les gars, ils sont tout mouillés, c'est terminé. T'as vu ce que ça fait? On dirait un hérisson, gros. Allez, mon gars, t'es. Elle est mort le costume. Elle est mort le costume. C'est fini, gros. Les chiens, ils aiment pas le toilettage. Hein. Ça fait pas de plus un toiletteur. Bah, ouais, ça peut couper les cheveux aussi. Enfin, ah, il se coupe aussi. Ouais, c'est bien en vrai ça. Ça coûte combien un toiletteur? En mode, il coupe, il lave, il fait tout. Franchement, je sais pas. Mais là, si ça coûte 10 balles, là, je pense que ça doit coûter 40 euros, non? Ouais, en vrai, au moins, tu le déposes et. Ouais, t'as rien à faire. Et après, il est tout propre. T'inquiète, ça va bien se passer. Hein? Il a un compte Insta? Ouais. Ouais, c'est quoi son compte Insta? C'est Reiko Reidar. Les gars. Reiko-R-E-I-D-A-R. Ça c'est pour toi Iron. Vas-y bah les gars, l'insta de Reiko carrément là, ceux qui veulent suivre Reiko ensemble. Ah ouais, quand il y a à bouffer, il regarde que la bouffe. T'abuses, pas super hein. Bah y'a pas de soucis, t'inquiète, ça fait plaisir. Bah les gars, c'était grave carré hein ce petit nettoyage, j'ai les gants tout mouillés, mais c'est carrément pas grave parce qu'on rentre à la maison. C'est ça vite fait? Ouais. Bon bah les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, merci à tous ceux qui ont regardé, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2, sur ce... Ah, vous êtes des enculés. Oh non, mec, ça colle trop. Bon, ciao tout le monde, bonne journée à tous, bonne soirée. Oh les fils de pute.